Coucou. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est pas chez nous. Mais à vrai dire à 3 heures de Los Angeles pour un mariage. Et du coup là on va vous montrer un peu les tenues qu'on a prises pour ce mariage. Je prépare avec vous un petit get ready with us. Mariage édition, oui. Et toutes les tenues qu'on a trouvées viennent toutes de thrift shops. Certaines trouvées il y a moins d'une heure. Exactement. Et on est trop indécises pour nos robes, donc vous allez nous aider. Et on va aussi faire un make-up très léger. Trouver nos coiffures parce que le mariage est dans une heure. Allez, on doit se dépêcher. Ok, on y va. Reste avec nous. Ça va être la galère vraiment parce que j'ai aucune idée de quelle coiffure faire. Mes cheveux, c'est un peu. C'est pas ça. Je sais pas quoi faire. J'aurais dû rechercher avant genre coiffure de mariage pour cheveux bouclés ou un truc comme ça. J'ai pas fait mes recherches. Je vais peut-être partir pour un chignon élégant ou un truc comme ça, on va voir, mais bon, on verra le résultat dans un petit peu de temps. On est toujours en retard. Ah, pas possible. Donc là, on a un premier choix pour Inès. On n'est pas trop sûr, on se dit est-ce que c'est pas assez habillé, est-ce que c'est trop habillé, mais très jolie la robe. C'est pas trop habillé. Non, oui, c'est pas trop habillé, mais on a tout dit est-ce que c'est pas assez habillé. Ensuite, Inès a cette robe, vas-y, montre-toi. Ok. Fishtail. J'ai fait 23 hier pour avoir genre les cheveux ondulés. On va voir si ça va marcher. Si ça a marché. Wow. C'est trop galère en fait parce que avec le choix de robe déjà on a du mal à se décider quelle robe on va mettre. En plus on doit se coordonner et en plus je vous fais une petite confession. Le mariage est dehors et il fait pas très beau aujourd'hui. Il fait pas beau du tout. Il fait très humide, genre il y a une toute très fine pluie. Pourquoi il fait pas très chaud. J'ai pas envie de mettre une robe dans laquelle je vais être inconfortable de 3h de l'après-midi jusqu'à 10h du soir du coup. Il faut prendre tout ça en compte, faire sa décision. Et aussi, les gens s'habillent vachement pour un mariage. Les gens, ils ont fait leurs cheveux chez le coiffeur, ils ont fait leurs ongles. Pas chez eux, ils ont pas regardé le bout, ils sont. Même les gens, c'est pas vrai, ils ont mis le vernis chez eux comme ça. Non. Ils sont partis les faire. Oh, mon choix de robe, les filles, si je vous explique bien, j'ai une robe noire, je sais pas si ça se fait. Une robe un peu blanche, je sais pas si ça se fait. Et la troisième robe, elle me va pas très bien. Bon, elle te va quand même. Ah, Jesus Christ. Elle te va, Inès. Je vais mettre le suit, hein. Non, le suit, moi, je trouve que c'est déplacé. Ah ouais? Bah non, pourquoi? Parce que t'es pas un gars. Et j'ai dit aussi parce que nous on n'a pas de date, Sophia et moi. Bien, Sophia elle met une robe de princesse parce qu'elle toutes les robes lui vont bien. Ouais. Et moi je mets un costume. Un deux pièces. Pensez, elle a trop de choix, c'est pas possible. Te vont toutes. Bon, attendez, première idée. Qu'on a un magasin de robes de fête là, c'est quoi le délire? C'est pas grave. Ah non, c'est elle est trop belle. Mais le problème. Ta-da! Elle ne se tâme pas parce que j'ai un trop gros dos. Bah, je sais pas quoi dire. Elle, je trouve que c'est la robe la plus belle que j'ai jamais vue. J'aime trop cette robe. Mais en fait, je sais pas si elle fait robe de mariée. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est bon, elle a des roses. Mais elle est crème. Non. Là, c'est aussi mon first tap. Hein. J'aime bien le rendu. On dirait qu'elle est noire, elle est bleue. Elle est bleue, ouais, qu'elle est elle est bleue et bordeaux. Elle est bleue, voilà. C'est bleu très vite fait. Et là, c'est violet surtout. Ouais. Donc, vu qu'Inès a décidé de mettre sa robe noire, à ce moment, tu peux pas mettre ta robe noire parce que vous peintrez à deux en noir. Et du coup tu vas mettre ta dorée, ouais. Donc ça fait noir, doré, et moi qu'est-ce que je peux mettre? Tu peux mettre tout le reste, ça va. À part la jaune, donc la jaune je peux pas, vu que toi t'as la jaune. Mais non, tu peux pas mettre elle, maintenant que ça met du noir. Elle était grande pour toi, c'est annulé. Non, elle est pas grande pour moi, elle est parfaite. So, elle est grande pour moi. En fait je vais jamais être prête. Tired to dramatic, I'll never be ready. Amine, il est 2h. Winette va se laver, donc nous on va faire notre make-up. Je sais toujours pas quelle couleur ma robe est, donc je sais toujours pas quelle couleur de make-up je vais mettre. Oh punaise, c'est un désastre, les serviettes. Les gens ils vont être sur leur 35 et nous on va arriver là. Bon, je vais mettre celle-là, les gars. La rose? Noir, doré et rose, ça va? C'est trop stressant. Et on est en train de se disputer comme dame. Vas-y à toi, c'est là. Toujours quand on est stressé. Bah, c'est-à-dire tout le temps, puisque apparemment on est tout le temps stressé. Parce qu'on est toujours en retard. Parce que voilà, c'est ça le grand problème. Des fois, je suis tellement stressée qu'après, je me dis, je préférais qu'on m'invite même pas. Vraiment, j'en fous. Bon, toi, t'es trop. Ah, mais je t'assure, c'est la vérité. Des fois, je te trouve extrême. Mais je t'assure, c'est la vérité. J'ai acheté du mascara pour l'occasion. Vegan, cruelty free, bien sûr. Il faut savoir qu'on n'est pas du tout des gens de make-up. Bah, je pense que vous nous voyez, on n'a jamais de maquillage. On sait pas se maquiller. C'est toujours les gens qui me maquillent. Genre, soit mes amis, soit toi. Genre, moi, littéralement, je sais pas me maquiller. Mais là, quand on dit maquillage, on va vraiment garder ça minimal. Genre, c'était une amie qui m'avait appris ça, elle m'a dit genre, tu mets un peu de bronzer,
et un peu de mascara et un truc aux couleurs et c'est bon. Et c'est vrai que genre c'est tout, je trouve. Le reste de toute façon ça me va pas. Je sais pas pourquoi mais je vais mettre un peu de ce produit de cheveux. Mais il change rien mais soit. Bah alors. Moi c'est juste je sais toujours pas quelle robe je mets. Mais enfin il faut qu'on décide la part, c'est impossible. Donc t'as la dorée, il me fallait la noire. J'ai soit la rouge dans la chambre. Ouais. Soit elle là. Ouais. La rosée. Soit l'autre rosée. Vu que la bleue elle s'est annulée parce qu'elle n'a pas la noire. Et que la jaune elle s'est annulée parce que toi t'as une jaune. Bah rose ou rosée métallique, laquelle? Est-ce qu'elle est pas un peu trop balle en fait au lieu de mariage? Bon bah dans ce cas tu mets elle. Mais elle est un peu grande quand même. Elle est un peu grande. Elle c'est ma première option. Peut-être ça fait bien mariage. Ou alors est-ce que ça fait une... Ouais. Elle est comme ça dans le dos. Ouais. Ah elle est belle hein. Ouais. Elle a un châle. Ouais. C'est joli. Et elle a ça là. Là c'est mon autre choix. Elle est comme ça dans le dos. Ou celle-ci elle est comme ça. Et moi je serais comme ça. Ça fait encore pareil non? Ou ça va? Non ça va, c'est joli. Ouais ça va, c'est beau. Je vais le croire. C'est quoi? I guess I'm wearing this one. Babe, is this one okay? That one's nice. Yeah? Yeah, I guess I'm wearing this. You didn't like that one after all? No, she likes it, but maybe it's a little too much. But no, 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 that one's nice. It's good. Yeah? Yeah. Should I try it? Still try it? Yeah, that one's good. That one's good. Yeah, you look cool. Let's go. Bon, maintenant que je suis habillée, mon maquillage. Qu'est-ce que je vais mettre? Oh là là. Oh là, ton miroir. Ça va pas du tout! Alors si? Ou alors non? Qu'est-ce que je vais mettre? Imagine, je vais mettre ce truc. C'est le mien. C'est simple, c'est beau. Hein? Voilà. Le mascara. J'avais une période. Oh non, punaise, c'est pas possible. J'avais une petite période pendant genre 2 semaines, j'ai mis du mascara tous les jours. Il y a genre 4 ans. Pour le travail, un travail que je venais d'avoir. Et c'est aussi la fois où j'ai perdu plein de cils. Alors j'ai très vite arrêté. Et après, sans plus, quand je l'enlevais, je me trouvais immonde. Et maintenant mes cils sont super, ils ont carrément poussé par rapport à avant. Un petit truc qui marche bien c'est que je mets de l'huile d'argan sur ma tête tous les jours avant de dormir et puis j'en mets un peu sur mes cils et je les recourbe comme ça. Et ça je trouve que ça a vraiment aidé la pousse de mes cils du coup. C'est beau? Ouais ça fait bien. Oh waouh. Il me reste que mes cheveux. Les filles c'est trop froid et le fog. Ah c'est trop belle. C'est bon mon cœur? Mon make-up, c'est bon? Ouais, c'est bon. J'ai fait mais... comme ça et donc comme ça. J'aime beaucoup. Attendez. Je fais 2 couettes. Non, attends, comment c'était? Je suis trop stressée. Ça, ça n'adore rien ce que tu dis. Habille-toi, tout de suite là, tu t'habilles. Et tais-toi. Ah. Habille-toi en silence. T'as des pinces ou pas? Non, non, tiens, on va faire un élastique. Ok, j'ai. Bon, bah, je suis horrible. Bah, non. Là, c'est moi là? Mais non, c'est beau, allez, vas-y. Voilà, je t'en fais habiller. Qu'est-ce qu'on en pense? Tu viens de faire une tache à la robe. Bon, ça va sécher. C'est lourd. Je suis stressée. Je l'ai dit 2000 fois, mais ok. Ah, c'est trop stressant. Ok. Qu'est-ce qu'on voulait sur ça? Mes cheveux d'abord, tu crois mes cheveux? Un gommage des lèvres. Ah, passe-moi aussi. Bah, venez, c'est là. Ah, t'as des produits de cheveux fancy comme ça, j'aurais? Tiens, tiens. Merci, mon fils. J'adore qu'on touche les cheveux, c'est ma passion. Oh. Je pourrais payer quelqu'un qui me fasse ça toute la journée. Oh là là. Ouais, je crois qu'on va te laisser une mèche comme ça que tu vas arranger avec l'aloe. Ok. Vous trouvez que c'est beau en fait? Oui, c'est beau. Oh, c'est chou. Est-ce que ça va cette boucle d'oreille ou ça fait trop effet pendant? C'est bon derrière le chignon, regarde. Merci. Mince, c'est vraiment pas ça. Là je vois que je suis sale. Oh my god, et tu l'as... Mais arrête d'en rajouter. Vas-y, me le faire. Ah, c'est... Est-ce que je mets de l'eyeliner ou non? Moi ça, c'est bon, je masse pas. J'aime pas mon eyeliner. Vas-y, je te montre. Mmh. Regarde bon. Ce que je lui ai fait, tourne là. Ouais, trop beau. Mmh. Wow. Fais une photo, je veux voir. Je sais pas trop comment ça accroche ce truc en fait. Ça va ou pas? Regarde, c'est bon. Est-ce que ça, je mets elle ou elle? Je sais pas. Mais non, ah j'ai oublié le mascara. Il faut ou il ne faut pas mettre du mascara sur les cils du dessous? Oui, moi j'en mets. Hein. Ah oui, hein, faut en mettre. Je sais pas qui a dit qu'il faut pas en mettre. C'est une blague. Ah, on est trop pimpée. Trop belle. C'est du jamais vu. Ah, on est pimpée. Non, mais c'est vrai que ça n'arrive jamais. Tadam! Avec un petit détail ici, paillettes. J'espère que ça
J'espère que ça va, j'espère que c'est approprié. Elle a une fente ici. Très très belle. Mes cheveux sont pas complètement ready. Là j'ai mis deux mèches. J'ai fait une sorte de bigoudi que j'ai fait moi-même. Plus vraiment un doré, je vais te mettre du make-up doré. Ok, ouais. Mais pas des trucs foncés, ça me va pas. Ok, il faut y aller. Montre. C'est bon, t'as bien? Ben je vois pas. Ouais, ça se voit pas trop à la caméra, mais je peux regarder entre lui. Peut-être faire un peu plus. C'est moi qui dois mettre des gants de vaisselle. Les gants de vaisselle. Arrête, ils ont pas de gants de vaisselle. C'est parce que les seuls gants que je mets, c'est des gants de vaisselle. Alors, oh, t'es chiante. Bon, bah, elles sont à paillettes bah, comme moi, ça aussi. Mais c'est trop beau avec les chaussures, j'avoue. Mais tu lui vas faire chier, non? Non, parce que je les noirs, ça n'allait pas. Ça faisait trop. Vraiment, arrêtez d'être vulgaire et grossière. Elle va voler mes chaussures, le boutin. Soraya. Voilà la chaussure que je vais mettre. Inès, on n'attend plus que toi. Attends. Oh, c'est trop beau, Inès. Waouh. Et trop belle. Allez, viens, viens, vite. Le petit sac. Ça et les bigoudis, mec. Pour une fois, je ne nous ai jamais vues si belles. Je t'en prie, toi. Hello. Voilà la carte qu'on a trouvée avec un petit oups, gâteau de mariage. Vous savez quoi marquer? Non. Non. But dear Vanny and Billy, we wish you all the happiness in the world for this next chapter of your lives. Thank you so much for allowing us to be part of your special day. Encore. Lots of love, Vanessa and Sophia. Il y a plus qu'on s'achète des trucs et ça change, ça tourne. On n'est jamais la personne qui a prévu. Moi, j'ai acheté les gants pour. Enfin, c'est tout ça. Et moi, tu vas acheter ça, ça end up pour moi. Ah, c'est bien, c'est le mieux. Quoique, c'était beau aussi comme ça. Donc voilà, nos tenues finales, ça a été un roller coaster d'émotions pour se préparer. Se préparer. C'est même pas le mariage. Ouais, et c'est même pas notre mariage aussi. Ouais. C'est pour ça que je peux pas faire de mariage. Et donc voilà, fin prête. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous dans les commentaires si vous aimez notre tenue totalement. Il n'y a rien qui est acheté sur un site ou rien de rien, rien. Pas les bijoux. Pas les accessoires, pas les gants, pas les robes, pas les chaussures, pas les chaussures, rien. Vraiment tout, je suis trop faire de moi aussi, j'adore. Mais en plus, c'est vraiment trop bien parce que tu sais pas ce que tu vas avoir dans un site, tu commandes et tout. Genre là, ça me fait des émotions. Là, chaque fois qu'on y va, peut-être tu vas trouver un truc. Ouais, pas, enfin, du coup, dites-nous ce que vous pensez en commentaire. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus. La prochaine vidéo, ça sera sûrement le mariage. On va faire un petit vlog. Du coup, n'hésitez pas à nous suivre, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à bientôt.